Et avant ça, nous sommes mercredi, le choix qui divise l'équipe, le pour ou contre, c'est ce qu'on vous a posté sur l'Instagram de Contact FM. On sait qu'il y a beaucoup de gens là en ce moment avec tout ce qui est pénurie d'essence qui sont en covoiturage, qui ont privilégié ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre laisser le passager choisir la musique en voiture? Alors, vous avez été nombreux à agir sur la page Instagram, mais avant de vous donner le résultat de nos chers auditeurs, j'aimerais avoir votre avis, parce que le mien est très tranché. Le mien aussi. le mien aussi, j'ai comme l'impression que... Alors, on va commencer. Alors, attends. Ok. Anto. Contre. Pourquoi? Bah, t'imagines, tu montes en voiture et le gars, il te met ça. Je suis ton grand. Tu sais qui est cette personne? C'est Nico. Je te suis en toi. Je suis complètement contre, surtout quand tu as Nico en covoiturage. Mais non, pourquoi? Parce que le passager, je suis désolé, il est libre dans sa tête. Non. Le conducteur, il est occupé à conduire. Le passager, il a que ça à penser, de mettre de la musique cool. Non. Je suis désolée, si c'est pour avoir du clic-clic pan-pan-pan et du tichita chipolata là, non, je suis contre. Vous êtes sûr qu'on peut pas remettre un petit coup de chipolata là? Donc j'imagine que toi t'es pour. Oui, bah bien sûr, bien sûr que je suis pour, évidemment. Bon, on vous a demandé justement de prendre position sur la page Instagram. Oui, on a des choix cornéliens le matin sur Contact FM. À l'Assemblée nationale cet après-midi en plus. Et donc justement, vous êtes également à 56% contre laisser le passager choisir la musique en voiture. Oh là là. Tu les... Mais non, mais bien sûr, t'es conducteur, t'es le DJ, c'est toi qui choisis. Mais oui, mais non, t'es conducteur, t'es pilote et tu fais surtout attention, et ça c'est un message de la sécurité routière. Quand on tient à quelqu'un, on lui laisse choisir la musique. 8h10, courage en covoiturage, vous êtes sur Contact FM. On est mercredi aujourd'hui, le 12 octobre, et c'est le réveil du Grand Nord avec vous jusqu'à 9h30.